grave sous le choc. Physiquement, il n'y a personne qui est blessé. Et sauf ceux qui sont un petit peu sous l'état de choc, qui est normal. On va nous satisfaire avec ça, l'opération-là, et surtout qu'il y a une très bonne coordination en tout bon stakeholders qui sont sur place, la police, SMF, pompiers, et ça ne passe très bien. Et comme vous pensez, bon, c'est l'équipe d'urgence sur place, il fait un très bon travail. L'appel, c'était vers 8h. Et à la station de Quatre-Bornes, et l'équipe de Quatre-Bornes est mobilisée, et puis nous, l'équipe spécialisée de Gourmandel est venue, et la SMF aussi sur place. Chapeau à toute l'équipe. Le responsable de l'hélicoptère, et que nous demande l'intervention tout de suite. Là. Mais ce qui m'a bien félicite la force policière en général, et la pompe, un pompier, un expression nouvelle force, avec l'équipe des secours de police, et Naziex. Extraordinaire, très promptement. Et pour moi, c'est qu'on cause avec mon collègue, le ministre travail, ouvert l'enquête tout de suite. Parce que vous pensez qu'il finit là une faute de quelque part. Parce que vous faites une affaire pareille, vous êtes professionnel, et l'équipement vous êtes highly professionnel. Et heureusement, c'est qu'il va nous laisser sauver la vie, ça va travailler. Ce qui était important pour nous d'abord. Et satisfait de façon qu'il travaille fin déroulé. Mais là, mon collègue, mon cousin, lui, longuement, et il a envoyé tout ce bon ingénieur sur le côté health and safety pour nous faire l'enquête tout de suite pour là pour connaître les causes de ces accidents, incident qui vient d'arriver. J'ai assuré ce qui est un accident, c'est un accident de trop. Et la loi dit déjà, là, tout ce bon marché, c'est bizarre, il y a une maintenance. Non, il n'y a pas de machine 26 mois. Ok, là nous pouvons faire un peu la profondeur, nous statuer par responsable. Et suite à ça, c'est là pour suivre par responsable, pour suivre par responsable. Heureusement, parce qu'il n'y a aucun blessé. C'est pour le moment qu'on a eu l'appel qu'il y a des personnes en difficulté. On a dépêché les membres du GIPM qui sont arrivés sur le lieu très rapidement. Ils ont monté sur le toit et ils sont descendus pour sécuriser les personnes en danger. Et là, on a fait le airlifting par l'hélicoptère de la police pour les déposer sur le toit. Et du toit, on les a évacués vers là. Là, c'est la phase la plus critique de cette opération, c'est que cette nacelle pèse 450 kg. Donc c'est en acier, si ça tombe, ça peut rebondir et ça peut faire des blessés tout seul. Donc en toute sécurité, les membres du GIPM vont descendre à côté de la nacelle, sécuriser la nacelle et le faire descendre tout plus doucement. C'est ça qu'on attend. Cette opération est très délicate, donc ça prendra peut-être une vingtaine de minutes, ou plus peut-être. Il y a toute une équipe du GIPM qui est sur le toit. Et au sol, nous avons une autre équipe pour sécuriser la zone. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais on est confiant qu'on va enlever ce nacelle. Il est toujours à danger. Alors, à mon premier avis, comment faire comme cela, moi, je canalise les données avec le contrôle room. Et je vais dire tout de suite, c'est pas solliciter des hélicoptères. Parce que le seul moyen pour agir plus vite, autant l'état qu'il nous prend, ne pas connaître quand qu'il est, sa carte tombée, et lui a une hauteur à peu près 32 mètres. Le 11e étage, facilement à partir de 30 mètres. Et partir d'un noyer en bas qui ne peut pas sauver la personne de là. En attendant qu'il donne le premier secours hélicoptère de le tenant Mobana Infrastructure qui me prend l'initiative pour moi. Et puis, CQ, ça va lui qui est hanging là.